ce plateau consacré à l'étude minutieuse de certains aspects prophétiques qui touchent directement le peuple de Dieu. J'ai cité les élus ou l'épouse du Seigneur. Pour aborder ces aspects, nous recevons sur ce plateau, ici et maintenant, le pasteur, pour être plus complet, le docteur Kim Fortuné de White Eagle Tabernacle, qui, dans la même perspective, a mis en place une cellule d'études dénommée Les Paroles de la Prophétie. Le révérend pasteur King, que nous invitons à prendre place très respectueusement. A mis en place une cellule d'études dénommée Les Paroles de la Prophétie. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour. Il est un peu plus clair que depuis l'entrée à la maison de son saint prophète William Marion Branham, jour pour jour, nous comptons 50 ans. Cela devrait normalement, ou en temps normal, susciter un éveil de conscience au sein du corps épouse de Christ. Et nous osons croire que vous êtes déjà en éveil parce que vous mettez en place une structure qui se lance dans l'étude de prophétie. D'emblée, nous aimerions savoir qu'entendez-vous par cellule d'étude les paroles de la prophétie. Merci. Pour tout commencer, la cellule d'étude les paroles de la prophétie est une inspiration que le Seigneur m'avait donnée il y a de cela beaucoup des années. Cette inspiration va dans la même direction que ma vocation et aussi la nature du ministère qui m'a donné. En effet, la cellule d'études, les paroles de la prophétie, est un cadre de concertation prophétique au sein duquel une élite constituée des ministres de l'Évangile, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, et aussi des anciens se consacrent à des études approfondies sur l'accomplissement et l'observation des prophéties bibliques. Ces derniers sont accompagnés par des diverses pastorales, tables rondes et aussi des conférences bibliques. Alors, cette tâche est assurée grâce aux suggestions et à la coopération d'un comité consultatif dont les membres mettent volontiers à disposition leur temps et leurs compétences dans la connaissance des écritures. Oui, pasteur, nous avons bien compris votre la structure proprement dite. Est-ce qu'on peut savoir les buts et objectifs, si vous voulez, que vise la cellule d'études? Oui, effectivement, les paroles de la prophétie
Il y a cinq buts. Premièrement, c'est de créer par diverses manières un mécanisme de collaboration entre croyants du message du temps de la fin autour des prophéties accomplies et en cours d'accomplissement. Deuxièmement, la cellule elle vise à favoriser des échanges d'expériences et d'opinions entre ministres dans un climat de sérénité. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons déjà accompli par les diverses conférences que nous avons organisées dans la ville de Brazzaville. Et ici, déjà en 2012 aussi, nous avons essayé de faire un premier contact avec une étudiante de l'Ouest. Le troisième but, c'est de promouvoir la vision prophétique du message de l'heure au moyen des nouvelles technologies de l'information et de communication. C'est-à-dire que ces conférences-là, ces tables rondes, nous n'allons pas les garder pour nous-mêmes. Nous voulons que ce soit profitable aussi pour l'épouse, le corps universel. Voilà pourquoi nous allons les afficher. Nous allons les mettre à l'internet pour que par YouTube que les gens puissent être aussi mis au courant des études que nous menons ici au niveau de la cellule et aussi par Facebook qu'on soit en contact avec tous les autres qui sont à l'extérieur et aussi mettre cela aussi sur des supports audiovisuels et pourquoi pas aussi par de la presse écrite. Le quatrième but que vise les paroles de la prophétie, c'est de redéfinir et de redonner à l'écriture sa prééminence absolue, à l'instar des juifs des vérités. Parce qu'aujourd'hui, les gens développent un certain nombre de choses qui n'ont pas de fondement. Mais nous voulons revenir à Actes, chapitre 17, le verset 11, où il est écrit « Et ils examinaient chaque jour les écritures » pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ça, c'est le quatrième but. Le cinquième but, pour terminer, c'est de redynamiser, c'est-à-dire redonner le dynamisme à la nouvelle génération des ministres dans la vision néhémique. Oui, pasteur, justement, parlons de la vision néhémique, on aimerait savoir qu'entendez-vous par vision néhémique. La vision néhémique est une expression que j'ai personnellement tirée du deuxième chapitre du livre de Néhémie, au verset 17. Là, il s'agit de rebâtir les murailles de la ville sainte ou de Jérusalem, parce que malgré que le temple soit reconstruit, mais les murailles étaient encore à terre. Or, une ville qui n'était pas protégée, c'était une ville qui était exposée aux envahisseurs. Et c'est Jérémie, c'est Néhémie qui propose à ses contemporains de se lever pour aller et rebâtir les murailles de la ville afin qu'ils ne soient pas dans l'opprobre. Mais si nous parlons ici de la vision némique, c'est et en rapport avec la nouvelle génération des ministres, c'est parce que la mission de ceux-là qui vont rebâtir les murailles, ce ne sont pas des vieux, ce sont des jeunes. D'ailleurs, il dit déjà que la gloire de cette maison, c'est-à-dire le second temple, serait supérieure à la gloire du premier temple. Et à qui Dieu a-t-il assigné cette tâche? C'était à cette nouvelle génération qui sont appelés le reste des fidèles qui devaient revenir. Et c'est par ce retour-là que s'accomplit la grande vision du redéploiement de la grande armée de la vallée de l'Inon, où Ézéchiel 37 s'accomplit le verset 1 jusqu'au verset 10, où les ossements desséchés reprennent vie par la séquence de prophétie. Et la quatrième lumière, ou bien sûr le quatrième élément qui est l'esprit, ramène l'esprit sur ces morts-là. Et je crois que ceci est en liaison avec la réponse de la chevelure de Samson, qui est la montée de cette nouvelle génération. Voilà un peu, en bref, la vision néhémique, c'est-à-dire c'est une prise de conscience afin que cette génération s'élève pour réveiller cette ville-là, nous la connaissons parce que nous avons une promesse, c'est l'onction qui doit prendre le Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de choses, nous comprenons
l'intérêt, tout l'intérêt de ce genre d'assises ou ces retrouvailles. Nous aurons tout le temps d'y revenir de temps en temps. Et on vous entend parler, on comprend tout de suite votre vocation, votre ministère doctoral. Mais une question simple, cher docteur, est-ce que cela serait juste une sorte de protectionnisme ou une sorte de monopolisation comme cela est courant? Je pense non. Je ne crois pas que ce soit du protectionnisme ou de la monopolisation comme le font certains. Mais une chose que nous devons retenir, c'est qu'une vision doit être cadrée. Une vision doit être cadrée. Et quand Dieu donne une vision, Fabanama nous dit que Dieu n'appelle pas deux personnes. Il appelle une seule personne, il confie la responsabilité à une seule personne. Il dit que Élie n'était pas un groupe de gens, mais c'était un système composé d'une seule personne. Donc il y a toujours une personne qui est à la tête et celui qui a la pensée même. C'est pour laquelle il Paul dit que l'évangile qu'il avait reçu, il ne l'avait pas reçu des anges, mais il l'a reçu de la part de l'inspiration du nom de Dieu lui-même. Donc on ne parle pas, on ne fera pas, on ne fait pas du protectionnisme ni de la monopolisation. D'ailleurs, j'ai bien signifié que dans ce comité consultatif, il y a des suggestions. Cette suggestion-là, c'est une coopération des membres des gens qui sont un comité des sages, des gens qui ont déjà au préalable mené des études, qui sont disposés, qui disposent leur temps et leurs compétences dans les recherches. Et voilà, tous d'un commun accord, nous marchons. Mais ce qui aussi, nous voulons aussi faire connaître que au sein de la cellule, les paroles de la prophétie, ce n'est qu'un vaisseau qui a un vaisseau même qui a deux plateformes parallèles ou qui sont aussi deux plateaux de concertation. Nous avons premièrement la tranche d'émission, une demi-heure, et deuxièmement, nous avons l'exclusivité que nous avions dénommée les semences de la 8e année. Dans la tranche d'animation, une demi-heure de silence, tout ministre ayant mené des études préalables, des études approfondies sur un point ou une vision, qui touche le message du temps de la fin, ils sont les bienvenus. Un ministre de votre église ou... Non, un ministre du corps, c'est un problème du corps ici. La preuve, c'est que nous avons des amis, je suis en collaboration avec des amis, ils sont à Libreville, précisément, il y a le pasteur, mon ami Calvin Lebama, il y a le pasteur Andronicus, il y a mon homonyme Kim qui est à Libreville. Non, j'essaie de montrer le Gabon parce que c'est pour montrer que ça va au-delà des frontières. Au Congo, il y a mon collaborateur qui est à Brazzaville, le pasteur, l'apôtre Vianney Lueti. Il y a Parfait Diasévi, d'ailleurs, il y a en janvier, nous avons en février, nous avions tenu une grande conférence interdénominationnelle qui a mélangé toutes les confessions. Nous avons accepté même la polémique, la contradiction. Et ici, il y a mon ami qui est ici, qui est mon collaborateur, le pasteur Géry Mbani. Il y a le pasteur Sylvain Gouémé, d'ailleurs, lui qui a aussi créé une structure dénommée les Affaires de Paix. Et lui, il travaille plus dans le cadre de l'évangélisation. Et donc, ce n'est pas de la monopolisation, ce n'est pas non simplement des ministres de mon église, mais c'est de façon universelle où nous recevons. Les amis, il y a aussi l'apôtre Anne qui a ce poids-là d'exposer dans de âme perfection tabernacle ici à Pointe-Noire, qui a aussi le pasteur Romaric de Toulouse qui est avec nous dans cette vision. Ils sont nombreux, je crois que par rapport au temps, on ne peut pas décider. Donc, dans une demi-heure de silence, tous ces ministres-là, ces ministères sont les bienvenus si au préalable ils le sont. Ils ont mené des études sur les points qui concernent le message. Par contre, dans les semences de la 8e année,
Là, c'est l'exclusivité de White Eagle Tabernacle et son pasteur. Donc, toutes les activités concernant White Eagle Tabernacle et les enseignements de son pasteur que je suis sont transmis en temps réel dans l'exclusivité. Vous dites exclusivité, est-ce que cela ne relève pas du message? Non, c'est... On ne peut pas aussi se cacher. Le Seigneur a mis, pour tout commencer, ce poids dans mon cœur. Et en dehors de cela, je suis pasteur d'une église. Et donc, les enseignements que je dispense à l'église sont dans une exclusivité. C'est-à-dire, juste, vous visez dans un premier temps votre public à vous. Que cela ne soit divulgué. Oui, il y a l'église qui est concernée, il y a des gens qui veulent avoir des informations en temps réel en rapport avec mon ministère. Il y a des frères qui sont des membres de White Eagle Tabernacle qui sont parfois absents. Ils peuvent avoir des informations, les prédications, tout ce qui est activité pour être à jour, pour être à jour au même niveau, donc qu'ils soient ailleurs. Hein? Puisque aujourd'hui nous avons dit dans les buts et objectifs, c'est aussi de promouvoir la vision prophétique du message de l'heure au moyen de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, les semences de la 8e année, c'est pour tout commencer une exclusivité de l'Église. Et puisque le ministère n'est pas local, ça peut s'étendre ailleurs. Les autres qui veulent avoir aussi les informations, qui veulent être en contact avec les enseignements que nous disposons à White Eagle Tabernacle, ils peuvent avoir le compte rendu, ils peuvent avoir les informations en temps réel, comme au même moment que les membres. Merci, pasteur. Une petite question au sujet des réunions, des conférences que vous organisez. Vous nous avez parlé de Brazzaville, de certains amis qui sont de Gabon, à Libreville notamment. La question, je l'ai dit, cette question, mais certainement qui sera grande, parce que nous parlons du message de William Branham, et rien ne devait être fait sans que cela ne soit. On trouve une base normale, logique. Alors, est-ce que ces conférences, parler des conférences, parler de cellules, parler d'exclusivité, parler d'un groupe, un groupe de ministres, la peur est grande que de tomber dans une dénomination. Est-ce que avez-vous une base pour soutenir ou est-ce que c'est vraiment qui vous autorise? Donc, l'autorisation d'organiser ce genre de rencontres, on ne sait jamais. Oui, nous ne pouvons pas nous aventurer dans un terrain où nous n'avons pas de base scripturaire. Ça sera très dangereux. Et si on roule dans une telle direction, la finalité, ça sera les échecs. Exact. Mais, ici, je crois que à la fin, nous allons dans les émissions à venir, nous allons vous montrer les prophéties. Parce que Frère Branham nous donne déjà l'ordre dans se ranger du côté de Jésus. Il nous dit que nous devons nous réunir pour entre ministres pour étudier les questions les plus profondes du message. Et le prophète nous donne aujourd'hui, nous place dans une position des mages. Je vais prendre une citation ici, si vous le voulez, je crois que ça sera très profitable. Il dit ceci, dans la prédication, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le cher Tucson en Arizona, le lundi 16 décembre 1963, le soir. Je suis au paragraphe 134. Il dit ceci en rapport avec les mages.
Il dit, et chaque soir, il montait là-haut, aussitôt que le soleil se couchait, il étudiait ces choses exactement comme nous, nous nous rassemblons dans des conférences et nous étudions la Bible mot après mot. Alors, on a même plus le Coran avancé dans ce sens-là, parce que ce qui nous intéresse, nous aujourd'hui, croyons du message, c'est le fort Adam a dit. Exactement. Et donc, nous sommes très ravis que ces conférences continueront, parce que c'est Frère Branham qui vous autorise, et cela sera très bénéfique pour White Eagle Tabernacle, mais aussi pour l'extérieur. Oui, effectivement. Une autre question, pasteur, nous savons que votre temps est précieux, sur la 8e année, je parle de la 8e année, pouvez-vous nous donner certaines précisions sur ce que vous entendez-vous par la 8e année, les sémences, j'allais dire, de la 8e année. Dès le départ, j'ai dit que c'est l'inspiration que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et ici, nous parlons des sémences de la 8e année, où l'ensemencement de la 8e année est une inspiration que j'ai tirée du livre de Lévitique. C'est pareil, l'ensemencement de la 8e année. Et les sémences de la 8e année. Effectivement, parce que le point commun, c'est la 8e année. Donc, il y a des sémences pour la 8e année, et ces sémences-là doivent être ensemencées. Et Branham nous dit que l'ensemencement, c'est aussi une pluie appelée en hébreu le mouré. Donc, ce sont des sémences qui doivent être ensemencées dans cette 8e année. Donc, j'ai tiré cette inspiration dans le livre de Lévitique, que moi j'appelle souvent le livre des expiations, le Lévitique 25, le verset 20 jusqu'au verset 22. Cette prophétie, elle donne ou elle annonce la venue d'une bénédiction triplée dans les derniers jours. Parce que c'est en rapport avec l'année du Jubilé. Et l'année du Jubilé était la 50e année. Mais à chaque sabbat, il y avait ce qu'on appelle la relâche de l'Éternel. Une année sabbatique qu'on appelle l'année du repos. Et dans cette année de repos, il était question que la terre puisse entrer en jachère. Donc, Israël ne devait pas ensemencer la 7e année. Et après 7 sabbats, le 7e sabbat de la 7e année, il y avait un repos. Et le lendemain du 7e sabbat, il y avait aussi un repos. Ce qui commença à poser un problème à Israël, puisque la 49e année, ça devait être une année de jachère, et la 50e année, qui est le lendemain du sabbat, ou l'année du jubilé, Dieu exigeait encore qu'il y ait encore un repos. Selon le peuple dit, mais que mangerons-nous la 7e année, puisque nous n'allons pas travailler? Et Dieu leur dit que la 6e année, je vous donnerai une bénédiction triplée qui couvrira la 6e, la 7e et la 8e. Et puisque, suite à ce temps, l'année du jubilé, l'homme ne devait pas en temps normal ensemencer. Mais Dieu fait une exclusivité. Il leur dit que vous continuerez à manger, vous nourrir des vieilles semences. Et la 8e année, vous en sémencerez. Docteur, nous sommes juste là dans l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message dans le temps présent? Oui, effectivement, voilà pourquoi je parle d'une prophétie. Parce que à l'écriture, à la prophétie de Lévitique 25, le verset 20 à 22, il y a aussi Lévitique 26, 10 qui dit « Vous mangerez les anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles » pour faire place aux nouvelles. Donc, il y a comme un temps de changement. Et Branham, dans son ministère, est arrivé à une période où il devait y avoir de changement. Et ce changement intervient le lendemain du sabbat. Et le lendemain du sabbat, c'est un 8e jour, qui est aussi le 50e jour, ou la 50e année, c'est le même principe. D'où, Frère Branham nous montre qu'aujourd'hui,
lorsqu'il est prêché, il dit que son message était un message pour une sainte convocation au-delà du sabbat. C'est-à-dire c'était le huitième jour, qui est le jour de la résurrection. Et dans ce jour de la résurrection, parce que Christ n'est pas ressuscité le sabbat, mais il est ressuscité le lendemain du sabbat. Donc, le lendemain de ce septième sabbat, qui est la cinquantième année, qui est aussi la huitième année du septième sabbat, il y a un enseignement. Et dans cet enseignement-là, il ne s'agit pas de manger des vieilles semences. Il s'agit ici des nouvelles semences. D'où dans le ministère de Frère Branham, il y a des choses qu'il a dites dans les sabbats, comme le baptême du Saint-Esprit, au niveau de l'Esprit, qui était correct. Qui relève malheureusement de des anciennes semences. Mais lorsqu'on arrive au lendemain du sabbat, à partir de l'ouverture des sceaux, il y a précision. 1963, là on parle du huitième jour, qui est l'âge de l'épouse, les semences qui sont ensemencées là. Branham appelle ça les signes, la semence du temps de la fin. Donc ce sont les semences de l'épouse. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous allons doucement et lentement vers la fin de notre émission. Et il me reste quand même quelques questions, si vous voulez, parce que c'est tellement appétissant, comme quelqu'un le dit. Effectivement. Vous avez commencé à prêcher, si j'ai bonne mémoire, en 1998. Et 1998 à aujourd'hui, sauf erreur, nous sommes à 17 ans. 17 ans. Et pourquoi avoir attendu 17 ans pour exposer ce genre de projet? Le Seigneur, quand il m'appelle, m'avait montré un certain nombre de visions, de directions que je devais apprendre. Bien que pour certains, ils pensent que j'ai trop attendu, mais à mon avis, ce n'est pas vrai. Parce que on est en retard lorsqu'on est en compétition avec quelqu'un. Donc, nous ne sommes pas en compétition. Nous avançons lentement, mais sûrement. Autre chose, c'est qu'un projet, pour qu'un projet soit dans la volonté parfaite de Dieu, il faudrait tenir en compte, prendre en compte les éléments comme le temps et la saison. Donc, Frère Branham nous a enseigné rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc, il y a la notion de temps et il y a la notion des saisons. Et ensuite, Paul, lorsque l'apôtre, quand il a reçu la vision ou l'inspiration, Frère Branham nous montre qu'il est allé dans le désert pour étudier ce qu'il devait lui-même être le premier converti de cette vision. Il devait avoir la maîtrise, maîtriser, avoir le contrôle des tenants et les aboutissants. Vous voulez dire que c'est votre saison? Oui, effectivement, je crois que c'est la saison parce qu'en dehors du temps, la saison, il y a aussi la notion de la numérologie divine. Voyez-vous, Frère Branham me dit que vous ne pouvez pas vous tromper si vous suivez Dieu dans les nombres et dans ses chiffres. Et d'ailleurs, déjà dans les années 2013, entre 2002 et 2003, nous avons développé plusieurs concepts, parmi lesquels il y a le concept de la transplantation ou le mystère de la transplantation. Nous avons mis en relief les 40 jours du déluge avec le scellement de l'épouse dans les derniers jours. Et nous avons voulu montrer par là que, à partir de l'entrée de Noé dans l'arche jusqu'à la fin du déluge, il y a 40 jours. Et ces 40 jours sont en rapport aussi avec la prophétie sur l'exploration du pays par Josué. Donc là, quand on parle de Josué, on passe du ministère de Moïse à celui de Josué, c'est-à-dire le nouveau ministère. Et suivant ces principes-là, nous avons pris 1963, que nous avons d'abord d'ailleurs montré que c'est la borne de datation où la pierre Ebénézer. Donc à partir de 1963 jusqu'en 2003, il y a là 40 années. C'est en rapport avec les eaux du déluge. Et aussi... Pasteur, je suis obligé de vous interrompre, parce que le temps nous
parfois sera banni. Et on a souvent l'habitude d'entendre parler de scribes intelligents. Et développement là, parce que c'est la notion temps. D'où le deuxième numéro est. Je vais dire, le deuxième numéro de cette émission s'impose avec vous. Effectivement. Nous prenons rendez-vous pour très bientôt. Très bientôt. Et il faut terminer, si l'on me surnomme le script instruit, ça va toujours dans la même direction. Nous avons développé le concept des sept paraboles du royaume dans Matthieu 13. Jésus a enseigné les sept paraboles qui étaient une ébauche des astres de l'Église. Mais à ces sept paraboles s'ajoute la huitième parabole, la parabole perdue de vue, qui est la huitième. Là, on fait mention que tout royaume, tout scribe instruit en ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de la moisson qui a les vieilles semences et les nouvelles semences retombent dans l'ensemencement de la huitième année. Donc, pour terminer, s'il vous plaît, il y a de 2003 et de 1963 jusqu'à 2003, il y a 40 ans. Et de 2003 jusqu'en 2013, il y a 10 ans. Et c'est le même principe qui s'impose entre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et son ascension, il y a 40 jours. Et de l'ascension jusqu'à la venue de l'Esprit, il y a 10 jours. Donc en tout, de la résurrection jusqu'à la Pentecôte, il y a 50 jours. Et ce principe-là nous rattrape aujourd'hui, depuis l'ouverture des sceaux, jusqu'en 2013 plutôt, il y a 50 ans. Et ces 50 ans, effectivement, c'est le jubilé. Donc, merci, docteur, merci. Le rendez-vous est pris, comme je l'ai dit, pour un deuxième numéro avec vous, chers auditeurs. Nous mettons un terme à ce premier numéro. À une prochaine occasion.